Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui, l'Elo Nishmat, Avraham Mordechai, Ben Yitzhak, Befani, ainsi que l'Irfouat, Léa, Bat Elisheva, le Tor Shachol Israël, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude du Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Regiga, Perik Bet Mishnah, Hei. Notnim la Yadaim, la Chulin ou le Maaser, ve la Trouma, ve la Kodesh Madvilin, ve la Chatat, im Nitmur Yadav, Nitma Gufo. Bon. Là, on rentre dans un virage très sec. On n'est plus aucun rapport avec tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. On va, depuis maintenant, jusqu'à la fin de la Masechet, on va ne faire que de parler des ilchot de Touma et de Tahara. Accrochez-vous, c'est délicat. C'est enfin, c'est délicat, c'est des choses que vous n'avez pas forcément, que vous connaissez pas forcément. Il y a plein de notions qu'on véhicule. Toute la fin de Chagiga. C'est d'ailleurs étonnant que les Mefarchim n'ont pas expliqué pourquoi la Mishnah s'est mis à parler de tout ça. J'ai moi-même déduit qu'il doit y avoir une certaine raison, c'est que on est en train de finir le Seder Moed et je t'ai dit que je vais monter au Beth Amikdash, il faut que je t'apprenne plein de lois de pureté et impureté qui vont être en rapport avec les lois spécifiques du Beth Amikdash. Et comme c'est l'habitude, lorsqu'on va ouvrir un sujet de Touma Betara, on va un petit peu s'étaler sur d'autres sujets qui y ressemblent. Mais le but essentiel, c'est de te dire, quand tu vas monter à Yerushalayim, sache qu'il y a plein de lois de Touma et de Tahara, de pureté et d'impureté. Et en l'occurrence, on commence d'abord avec une première chose. L'impureté des mains. À cause de ça, on fait la Netilat Yadayim, entre parenthèses aussi. Je traduis d'abord la Mishnah pour expliquer. Notnim la Yadayim, la Chulin, Vela Maaser, Vela Truma. Il faut faire Netilat Yadayim lorsque tu veux manger Chulin, du pain Chulin, spécialement sur le pain ou les fruits qui sont mouillés, ou le Maaser, et aussi pour manger du Maaser Sheni, quand tu montes à Yerushalayim, que tu vas manger maintenant tes fruits du Maaser Sheni, tu vas faire attention à ne pas véhiculer d'impureté, quels que soient les fruits. Chose que tu ne fais pas avec le chouline en général. Parce que lorsque tu manges des fruits... je continue d'abord. Vela Trouma et aussi pour la Trouma. La Trouma que tu donnes au Kohen aussi, il faut nécessairement se purifier les mains avant de la manger. Je préfère parler sur la Trouma parce que le Maaser Sheni c'est un peu plus compliqué. Et que la Trouma, le Kohen, vous, lorsque vous voulez manger une pomme, si elle est sèche, vous la mangez sans faire Netilat Yadayim. Interdit même de se lever les mains parce que Arezé Megasaharu a réécrit celui qui le fait. Pour manger de la Trouma, il fallait nécessairement se laver les mains. Faire Netilat Yadayim. D'accord? Parce que la Mishnah avait vu mon scène en fait. Bon, la Mishnah n'est pas entrée dans les détails, la Gemara rentre plus dans les détails pour expliquer que. Donc, Chulin, Maaser Sheni, on a dit le Maaser Sheni, c'est la deuxième dîme que tu donnes après avoir donné la part au Lévi, tu donnes aussi, tu dois prendre un deuxième Maaser et la pour monter au pour le manger, et la Trouma, et pour toutes ces choses-là, tu dois. La Trouma, c'est pour le Kohen, tu dois te faire Netilat Yadayim avant de manger. Par contre, ouvre la Kodesh, lorsque tu veux manger du Kodesh, ça ne suffit pas de faire Netilat Yadayim. Du Kodesh, tout ce qui est Kodesh. Tu vas manger des shlamim, t'apporter des shlamim chagiga en l'occurrence, ou des shlamim parce que tu montes les shlamim pour manger. Ça ne suffit pas de faire Netilat Yadayim. Il faut que tu fasses matbilin, il faut que tu trempes tes mains. Tu ne fais pas une nevila toi entièrement. Ok? Vela khatat. Mais tu dois te tremper les mains. Tu cherches un migvé, tu te trempes les mains dans le migvé pour pouvoir manger. Entre parenthèses, vous savez qu'on peut aussi faire Netilat Yadayim. Comme ça, nous aussi. Ouais, vous vous retrouvez à la mer. Il y en a qui, quand ils vont à la mer, ils veulent manger un sandwich, ils vont ramasser de l'eau de la mer pour faire Netilat Yadayim. C'est une erreur. Parce que si vous voulez faire Netilat Yadayim, il faut une bonne qualité d'eau. Nécessairement. Et c'est pas de l'eau buvable, l'eau de la mer. Si vous allez au lac de Verrières, vous pouvez le faire. Si vous allez à la mer, vous ne pouvez pas le faire. Parce que c'est pas de l'eau buvable. Mais par contre, vous pouvez purifier les mains comment? En les faisant la tvila. Comme si on va se tromper au milieu, on met les mains dans l'eau. Bah on rattache al Netilat Yadayim ou al tvila Yadayim, on dit al Netilat Yadayim. Et on trempe les mains dans l'eau et les mains sont devenues pures. Et on peut manger le sandwich après, on le sèche et on mange le sandwich. D'accord, je reviens maintenant. La Kodesh, pour le Kodesh, chaque fois que tu vas manger de la Gdusha, eh bien, Matbilin, tu es toujours obligé de faire Netilat Yadayim, ça ne suffit pas de faire Dvilat Yadayim, de tremper les mains au milieu. Vela Khatat, et les Khatat, alors le Khatat, ce qu'on va voir constamment, Khatat, ce n'est pas le Korban Khatat, mais c'est là pour pouvoir la manipuler l'eau d'aspersion de la Para Adouma. Il y a toute une histoire, on aura l'occasion de l'introduire bien longuement et d'expliquer plus. Mais pour pouvoir, c'est par Shabbat Rukat maintenant qu'on rentre, que pour la Para Adouma, Chachamim ont décrété toutes sortes de décrets très stricts, très rigoureux pour qu'on la fasse avec une pureté extrême. Et la Mishnah me dit, Imnit Mu Yadav, sache que si tes mains elles ont été impurifiées, eh bien le moyen de corriger l'impureté de tes mains pour continuer à t'occuper, à manipuler la Khatat, l'eau d'aspersion, eh bien, c'est que tu nitma yadav nitma gufo. Si tes mains ont véhiculé une impureté, ça ne suffit pas que de te laver les mains ou de faire une sédatine pour tes mains. Tu
tu devras te purifier entièrement, tu vas te tremper entièrement au mikvé pour continuer la manipulation. Ok? On expliquera bien sûr, je le dis bien plus longuement. À partir de la prochaine Mishnah, déjà, ça va être nécessaire d'entrer plus profondément dans ce sujet. Pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.